Salut, salut famille, comment vous allez? Vous allez très bien, j'espère. Moi, en tout cas, je vais super bien. En fait, je vous fais cette vidéo dans le courant de cette journée-là pour vous donner une information très capitale, vraiment très, très capitale, et réagir sur certaines réactions. Voilà. L'information, en quelque sorte, c'est une information que j'ai manqué de vous donner dans l'une de mes vidéos précédentes, en fait. Voilà. Il s'agit de la venue de Bordeaux le Koufa en Belgique. Voilà. Il sera bel et bien en spectacle. En Belgique, voilà, il sera en spectacle en Belgique ce 5 mai. En fait, c'est son premier show avant même le Titan Night Club. Donc, j'invite tous les fans des Bordeaux du côté de la Belgique à effectuer un déplacement très massif. Voilà, je compte vraiment sur vous. Je compte vraiment, vraiment sur vous. Vous êtes beaucoup à vouloir le voir. Voilà, il s'offre à vous ce 5 mai là du côté de la Belgique. Donc, je compte vraiment, vraiment sur vous. Voilà. N'hésitez pas, si vous voulez avoir toutes les informations concernant son show là-bas, vous n'avez qu'à partir sur la page à soutien Foka Deborda. Elle se trouve sur Facebook en fait. Voilà, elle a plus de 10 000 abonnés maintenant. Donc n'hésitez pas, Deborda sera avec vous ce 5 mai là. C'est avant le Titan Night Club, avant le live du Titan Night Club. Donc je compte sur vous les amis, je compte sur vous. Déplacez-vous massivement, massivement, massivement pour que cette tournée là soit une réussite totale. Voilà. Ok, maintenant ma réaction du jour, c'est laquelle? Bon, moi c'est ce que j'ai compris. J'ai compris un truc, c'est que comme je suis fan des Desbordeaux, je suis pas obligé de plaire à tout le monde. Ça, je le sais. J'en suis vraiment conscient. Voilà. Mais en même temps, comme souvent, on vous sort certaines vérités, ayez l'aimabilité, voilà, d'entendre et de comprendre le message qu'on veut faire passer. Quand je me tue dans mes 5 dernières vidéos à parler de réconciliation, à parler d'unification du coupé décalé, à parler de promouvoir l'union au sein du coupé décalé, qu'il y a un de ses adeptes, il y a un de ses acteurs qui est toujours dans sa lancée stratégique de vouloir rabouer, on va dire quoi, rabouer ses collègues, ça en pâtit sur. Mon élan de projet d'unification du coupé décalé. Beaucoup disent que c'est impossible. C'est vrai, je peux dire que c'est vrai. À avoir certaines réactions, je pense que c'est vrai. Parce que même à dire la vérité, ça dérange. À dire des choses sensées, constructives, ça dérange. Donc, à quoi ça sert? Mais je vais toujours insister. Je vais insister jusqu'à ce que je sois fatigué. Voilà. Je parle d'union dans le coupé décalé. Faut pas qu'un faiseur du coupé décalé, il ne faut pas qu'un acteur boycotte cet élan-là. Voilà, parce que moi j'y crois. On ne peut pas parler d'union du coupé décalé et puis quelqu'un va venir là pour venir se moquer tout le temps des autres. Franchement, c'est inacceptable. Ouvrez les yeux maintenant. Même si les agissements de ce dernier-là vous a abruti, quand même souvent faites jouer votre raison. Je vous demande pardon. Voilà. Ne soyez pas si abruti que ça. Faites jouer votre raison là, faites-la jouer maintenant. Voilà, vous parlez pour ne rien dire en fait, c'est parce que vous n'avez pas ma tête, donc vous commentez comme vous voulez. Comme le dit votre camarade là, regardez bien, regardez-moi bien, je suis un joli garçon, un joli, joli garçon. Voilà. Donc ne soufflez pas, arrêtez de vouloir vous faire remarquer négativement en fait. Sinon, moi je suis un joli garçon, joli comme votre attitude aussi. Voilà, donc c'était votre big up. Et votre petite réponse par rapport à vos commentaires de merde. Que Dieu vous bénisse. Belgique, de Bordeaux, le Koufa arrive. Ciao, ciao les amis.